Bonjour, bonjour. Quels sont ceux qui ont jeûné là? Je vais enseigner ce matin. Ceux qui ont jeûné pendant les 3 derniers jours, bonjour. Ceux qui n'ont pas pu jeûner, bonjour. Ah, tu finis ton jeûne à 9h. Super. Bonjour, connectez-vous. Connectez-vous. Count your blessings. Life is full of blessings. Waking up is a miracle. Open your eyes to the sunshine. Thank God for mercy. Counting my blessing. Everything I do by faith, by faith. Oh, la reine Justine, tu finis ton jeûne à midi. Je vais brûler de la sauge. On va brûler la souche. Oh, Laetitia, tu te réveilles à 3h pour prier. Et puis tu es resté éveillé jusqu'à maintenant. Donc, voilà mon charbon. Et mets ma souche dessus. Je laisse brûler à petit feu. Je chasse toute présence maléfique de cette maison, de ce direct. J'ouvre votre esprit ce matin. J'appelle le Saint-Esprit, vos ancêtres, tous vos ancêtres positifs. Je chasse tout ce qu'il y a de négatif qui vous a été passé par vos ancêtres et qui vous dérange jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes connecté, vous devez me mettre des cœurs sur ma vidéo. Je viens percer tout œil maléfique. Tout œil maléfique qui va se connecter à cette vidéo. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi
et les personnes qui regardent ne vont pas prospérer. Il vient percer au miroir maléfique qu'on a lancé pour vous observer. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Je vous libère de la dépression. Je vous libère de la dépression. Tout ce qui vous a fait croire que vous n'allez pas réussir. Enlève tout esprit de découragement sur vous. Je déclare que vous voyez votre futur glorieux, clair. J'enlève toute distraction. Toute personne, tout dragueur, ticone. Toute personne qui vient, qui veut vous faire quitter votre mariage. Toute tchiza, je l'éloigne de vous. Vous savez qu'il y a des gens à qui on ne peut pas dire non, non. Quelqu'un vient, tu ne sais pas. Ça colle sur toi. Je vous débarrasse de toute iniquité. Je vous libère de toute ambiguïté. Et si c'est vous qui étiez en train de partir chercher le mari de quelqu'un, et vous enlève derrière le mari de la personne. Si il n'aime pas que lui veut venir dire que je la prends comme deuxième femme officiellement devant tout le monde. Il vous laisse. Il quitte derrière vous. Vous-même, vous quittez derrière lui. Je déclare que la dépression dont votre mère a été victime pendant des années, vous en êtes débarrassé. Bonjour Lauria. Vous ne connaîtrez plus jamais la dépression au nom de Jésus. Bonjour, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur ma page et que l'enseignement sur la dîme, vous ne l'avez pas encore reçu. Donc nous sommes le premier. Vous savez que je suis une grande militante. Comment réarranger sa vie? Comment prendre les chaînes et les rênes de sa vie? Reine, R-E-N-N-E-S. Comment rectifier le cours de sa vie et de sa descendance? Écoutez, vous étiez bête avant. Vous étiez comme cela. C'est fini. Et vous dites, oh, on s'est levé, on a fait 3 jours de jeûne, non? 3 jours sans manger, sans boire. 72 heures sans mettre quelque chose dans la bouche. Vous avez fait, non? Et que tu savais que tu pouvais. Même si c'est maintenant que tu m'écoutes, tu peux commencer ta part. Mettez-moi les cœurs, je vous en prie. Avant, quand il vous faisait du mal, non. Tu es là, tu es la première femme de quelqu'un. Il s'engage avec toi. 10 ans plus tard, une autre femme vient et prend tout ce que vous avez travaillé ensemble. Tu étais là, tu pleures heureusement. Maintenant, tu comprends, non? N'est-ce pas? Tu comprends que ma vie, si là, on m'a volé parce que je ne protégeais pas d'abord ce que j'ai. Je n'avais pas mis le cadenas sur ma porte. Je n'avais pas mis les barreaux sur mes fenêtres. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous êtes. Donc Seigneur, je demande la lucidité. Je viens ouvrir mes oreilles, mes yeux spirituels, que je voie encore plus. Que beaucoup de vies soient changées à travers cet enseignement. Que vous soyez délivrés. Que tout trou de pauvreté dans lequel vous êtes enfermé, toute barrière dans laquelle on vous a mis,
C'est-à-dire que tu ne vas jamais dépasser le seuil-ci. Je déclare que cet enseignement t'ouvre les yeux. Cet enseignement, comme le Jésus a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, marche. Je vous commande de vous lever. En dépit de la situation dans laquelle vous êtes, vous prenez ça pour marcher avec. Voilà. Donc, félicitations parce que vous avez fini votre jeûne. Certains vont clôturer le jeûne à 9h. Ceux qui ont commencé avec moi ici en direct, il y a 3 jours, on va clôturer ça à 6h. Donc, dans une heure. Oui. Dans une heure, non, dans 48 minutes. Le bain que vous allez prendre tout à l'heure, là, je suppose qu'il n'y a plus de pipi dans votre corps parce que quand tu jeûnes, les pipis finissent beaucoup là. Mais le bain que vous allez faire ce matin, peu importe le produit que vous avez de ma part qui est chez vous, mettez ça dans l'eau là. Le donne-moi tout. Le parfum débloque-moi. Mettez que dans l'eau. Parlez. Seigneur, comme je me lave aux yeux avant d'aller manger, toutes les malédictions générationnelles là, c'est fini. Toutes les barrières. Moi, mes enfants sur 7, 10, 15, 20 générations, ils sont délivrés. Partout, ils se rappelleront que mon arrière grand-père, grand-mère avait fait ça pour me libérer. Donc, nous avons les bains aujourd'hui. Ceux qui sont à Douala, vous venez à Douala. Ceux qui sont à Libreville, vous appelez, vous venez à Libreville. Ceux qui sont à Yaoundé, vous appelez aussi. On fait aussi les bains à distance. Donc, Nantes sera bientôt ouvert. Le mois prochain, 1er août, vous pourrez venir à Nantes. Je précise aussi, envoyez vos photos, c'est pareil. Donc, je vais vous enseigner sur la parole. Bon, les kits sont disponibles. Vous pouvez aussi acheter peut-être le savon seulement. Vous pouvez acheter l'encens seulement. Vous pouvez acheter aussi, vous pouvez dire, voilà, je veux le parfum de déblocage. Donc, il y a des gens qui ne prennent pas le kit parfois. Tu peux prendre le parfum de déblocage. Tu peux prendre l'encens. Tu peux prendre un truc, tu pars avec. Donc, nous sommes à Makepe, derrière Paja Center. Derrière le lycée de Makepe, il y a Paja Center. Derrière Paja Center, il y a Menuiserie. On est en face de la Menuiserie. Au commencement était la parole. La parole, c'est Jocelyne. Au commencement était Jocelyne. Jocelyne était avec Dieu. Jocelyne était Dieu. Jocelyne était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites dans la vie de Jocelyne, par Jocelyne. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Jocelyne était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ils ne sont pas obligés de vous accepter. C'est depuis le début de la création de l'humanité. Depuis le début là, ils n'ont jamais accepté la lumière. Je m'attends parce que vous tous m'acceptiez. Même les sorciers qui sont ici, je m'attends parce que vous acceptiez. Mais vous ne pouvez rien contre ma lumière. Verset 5, Jean 1. Jocelyne, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y avait une femme envoyée de Dieu, son nom était Jocelyne. Elle vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par elle. Elle n'était pas la lumière, mais elle parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière donc, Jocelyne, était dans le monde et le monde était fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui ont reçu Jocelyne, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis là ce matin pour vous parler de votre pouvoir. Tout dans votre vie a commencé avec vous, finira avec vous. Vous êtes votre Dieu. Mettez en commentaire, je suis mon Dieu. Je sais que vous aimez la religion. Hein? Vous aimez quand on vient vous dire, oh, franchement, tu n'es qu'une pauvre petite fille. Comment tu peux croire que tu es Dieu? Regarde ton compte bancaire de l'année passée. Tu n'avais rien. Comme tu n'as rien, tu n'es personne. Ton oncle qui te nourrit encore. Voilà. Laetitia, tu es ton Dieu. Odettina, tu es ton Dieu. Sandrine Bouba, tu es ton Dieu. Le monde spirituel fonctionne avec la croyance. Parce que quand tu crois, tu n'as plus peur. Donc, c'est un peu genre si on te dit, tu vas faire comment par rapport à telle situation? Ah, je sais déjà comment il va faire. Genre, tu vas te marier peut-être et on te demande d'acheter les alliances. Dès que tu achètes, tu déposes quelque part. Dès qu'on demande les alliances, tu touches ta poche. Tu dis, ah non, non, j'ai déjà ça, c'est ça va. C'est bon, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. C'est pour ça que Jésus demandait toujours, où est votre foi? Il disait toujours, only believe. Crois seulement. Parce que quand tu crois, dès que tes idées marchent comme ça, tu arrives sur l'autre là, tu dis, ah oh, non, non, down. I got that. I got that one. I'm good, I'm good, I'm good, yeah. Je suis mon Dieu, c'est ça. Votre bataille, votre combat, ce sera d'accepter. Ah oui. D'accepter que vous êtes Dieu. D'accepter que votre oncle ne contrôle pas votre vie. D'accepter que malgré tout, toutes les malédictions qui pouvaient peser sur vous, que ça n'aura jamais de l'influence sur vous. D'accepter que tes actes, que tu peux te lever, tu pries. On te montre dans le rêve comment on est parti au village, on a enterré une calebasse. On a enterré une calebasse à l'entrée de votre concession. Tu te lèves, tu parles, tu envoies tes anges. Que toute calebasse qui a été envoyée, je casse cette calebasse au nom de Jésus. Bon, je précise que tous ceux qui veulent se laver, si le premier qui est aujourd'hui, vous avez vos règles, vous êtes indisposé, il y aura un autre lavage. Il y aura notre lavage le 6. Parce que quand vous dormez, en ayant demandé quelque chose de précis au Seigneur, vous allez voir que y en a même parmi vous. Hein. Tu dors, tout le monde te demande comment ton mari de te tromper. Tu te réveilles.
Parfois, c'est 3 ans après. J'ai consulté une dame à Yaoundé avant-hier. Elle me dit qu'elle vit comme ça là. Son mari a un ou deux enfants. Avec une dame qui vit dans son quartier. Toute sa belle famille connaît la femme. Même le petit frère de son mari qui vit chez eux. C'est lui le coursier de la dame. Vous allez arrêter d'être simple. Parce que quand vous priez, vous demandez les choses, il vous montre. Il vous montre. Voilà, envoyez les cœurs. Bonjour à ceux qui sont dans le groupe de prière, qui viennent d'arriver. Parce que quand tu fais ta prière, tu dois mettre ce que tu vois dans la Bible. Mais tu dois aussi prendre ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a parfois certaines dettes, certains agents qu'on te doit. Tu veux passer sur ça, l'Esprit te dit que reviens dessus, parle. Tu restes, tu sens que tu es attaqué. Parle. Bonjour la reine, amen, mesdames. Donc voilà, on est le premier. Je vais vous redonner les astuces que vous devez utiliser chaque premier du mois. La première chose que tu vas faire pendant les 3 premiers jours, et après ça, une fois, au moins une fois par semaine, tu dois faire un bain de pipi. Ton premier pipi du matin. Avec le sel. Le sel, on vend ça à Macapé. On vend ça en ligne. Donc, le sel, il y a l'esprit de sel. Ça, le sel jaune, c'est pour la prospérité. Bonjour, papa. Moses. Merci pour les cœurs, la reine Larissa. Bonjour, Gutcha Corinne. Amgaka, on parle. Donc, il y a le bain des urines que vous devez faire. Deuxième bain que vous allez faire. Si vous avez les parfums de déblocage, on en vend. Vous allez faire le bain de déblocage. Donc, vous mettez le sel, au lieu des urines, vous mettez le parfum de déblocage. Il y a le bain aussi, vous mettez la cannelle dans votre eau. Cannelle, avec le sel. Il y a le bain où vous mettez le miel avec le lait. Quand je te lave avec le lait, c'est un autre goût, hein. Ça enlève les masques, les odeurs bizarres. Ça unifie ton teint. Ça enlève les voiles. Oui. Tu dois prendre la cannelle, tu pars à l'entrée de ta maison. Tu souffles dans ton lieu de business. Tu souffles, tu parles. J'appelle les clients de la maison. Tu mets le sel de mer. Dans l'eau avec un peu de cannelle, même une cuillère à café de cannelle en poudre. Tu laves le sol avec le sol de là où tu as ton business. Tu prends noix de muscade, feuilles de laurier ou de girofle. Tu attaches ensemble. Tu peux même mettre un peu de riz dedans, le riz. Si tu as l'huile de romarin, tu mets un peu 3 gouttes d'huile de romarin dedans. Tu parles que ceci apporte la prospérité dans mon magasin.
Même si tu as le maïs des popcorn là, tu mets dedans. Tu attaches. Et en faisant ça, tu as une petite bougie verte. Le vert, c'est pour l'abondance, prospérité. Tu prends la bougie verte, tu déposes. Tu allumes. Tu attaches ce que j'ai dit là. Un peu de maïs, de popcorn, du riz. Genre une cuillère à café de maïs, une cuillère à café de riz. Tu mets la noix de muscade en poudre ou en gros tout là. Tu prends 3 feuilles de laurier, un peu d'huile de prospérité, l'huile de cannelle ou l'huile de romarin. Si tu as un bandit de cannelle, tu mets dedans. Un curry, tu mets le curry. Tu attaches. Avant d'attacher, tu lis. Tu allumes la bougie, tu lis. Le psaume 35. Je combats toute personne qui combat mon argent. Toute personne qui s'est assise sur le business et a dit que le business ne va pas avancer. Je te combats maintenant, j'envoie les anges sur toi. J'ouvre la visibilité de ce business. Je déclare qu'on me voit des 4 coins de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Donc on va faire les lavages à Makepe et à Libreville. Makepe et Libreville. Vous envoyez vos photos aussi. Si vous ne pouvez pas venir, vous envoyez des photos. J'ai dit la bougie verte, Aurélie. Arrête. Hein. Pas venir ici. Là, j'ai dit la bougie verte. Tu as entendu bleu? La bougie de la couleur, si. Non, oui, Tina. Et dis fais seulement. La bougie, c'est pourquoi? Tu ne veux pas mettre la bougie, ne mets pas. On vous dit les choses, tu n'as même pas d'abord fait. Comme ça, vous avez Thomas ici. Thomas. Donc, pour ceux qui vont, tu finis ça maintenant, tu attaches. Tu peux lancer dans la caisse de ton business ou tu mets dans ton sac à main. Ceux qui veulent voyager là, vous voulez le visa. Vous allez prendre vos passeports. Vous allez prier dessus. Au nom de Jésus. Thank God for mercy. Counting my blessing. Everything I do by faith, by grace. Le lavage, c'est 33 800 francs CFA. Tu attaches comme ça, tu mets dans ton tiroir de ta boutique. Vous avez vos boutiques. Vous avez vos boutiques, on ne vend pas là-bas. Et aussi les encens pour attirer les clients. Écoutez, si vous ne faites pas, votre voisin va faire, il va avoir les clients. Vous n'aurez pas. Continuez. Quand vous avez ouvert la boutique, vous payez le bailleur là. Ma chérie, pourquoi tu as ouvert ta boutique? Non, je voulais payer le bailleur. Je voulais payer le bailleur. Paye le bailleur. Et puis Fanny, tu vas regarder après. Tu as compris? Tu vas regarder ceci après. Il ne faut pas que tu laisses. Choco Nounous, vous venez me tester avec les prix ici. Vous avez compris. Il y a même les gens que vous, tu parles après de te consulter même pas. La consultation des Français, c'est 100 euros. Donc, il te me fait la faveur. Je me rappelle très bien de toi. C'est moi qui avais le téléphone le jour-là. Quand c'est mes secrétaires, j'ai dit consultation France, tous les pays d'Europe, 100 euros. Angleterre, 100 pounds. J'ai des gens qui me paient 100 pounds pour la consultation. Je me rappelle très bien de toi. Tu as écrit ça fait peut-être 2 ou 3 jours. Et tu as dit que je te fais la consultation de lavage à 100 euros. Toi particulièrement. Donc j'ai mis mon œil sur toi. Si tu m'allais envoyer l'argent, je vais te renvoyer ton argent. Je ne te consulte pas. Tu as compris? Vous faites les faveurs, vous venez comme ça là. Consultation des Européens là, c'est 100 euros. Est-ce qu'il y a une blague pas? Et vous voyez un peu derrière 2, 3 fois, il y a des gens qui vont me faire le message. Depuis 3 jours, c'est moi qui ai le téléphone de l'entreprise.
Quelqu'un entend, tu le dirais, tout ce qu'on dit. Elle vient encore demander que le prix de ça, c'est quoi? Tu dis, mais je croyais que c'était plutôt comme ça, non? Si on t'a envoyé, je te renvoie avec tous tes sorciers, tous tes démons, là, je vous renvoie au nom de Jésus. Nzoyo. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Hein? Ce n'est pas tes 50 euros que tu vas m'envoyer là qui vont construire ma maison. Il y a des gens ici qui ont payé 150 euros pour me parler. Il y en a où venant du même 50 euros. Pardon. C'est pour ça que je vous donne les astuces pratiques. Il y en a ici qui ne m'ont jamais appelé pour me consulter. Jamais. Et je suis d'accord. Hein. Suivez-moi. Écoutez ce qu'il dit, vous faites. Vous n'avez pas l'argent pour me consulter. Mais écoute, je ne suis pas pour tout le monde. Quand Dieu m'a appelé, j'ai compris que beaucoup de personnes vont me suivre. Et ce ne sera pas tout le monde qui pourra payer ce que je fais. J'ai les taximans, les gens qui vendent en Bopi, qui n'ont même un petit magasin, qui viennent acheter tous mes produits. J'ai les mototaximans qui achètent mes kits. Quelqu'un fait la moto, il vient acheter le kit à 65 000. J'en ai. Par contre, j'ai les gens qui touchent 5 000 euros, que même le sel de 1 000 francs, ils n'arrivent pas à acheter. Vous comprenez bien. Donc, je ne suis pas ici là. Laissez-moi, j'enseigne moi mes choses calmement. Il y a des gens qui ont 10 000 euros le mois, que vous ne payez pas de dîme. Mais j'ai 50 personnes qui me donnent la dîme de 10 000. Écoutez-moi bien, hein. 50 personnes que Dieu met dans leur cœur, en payant sa dîme comme ça, là, que son cœur a la foi. Toi, que tu devais payer la dîme de 500 000, tu n'as pas payé. Écoutez, moi j'ai compris que quand Dieu va faire sa chose dans la vie de quelqu'un, il go do one. Donc moi, je vous connais. Vous avez vos esprits là. Je vous connais. Je sais que je suis suivi par les décepticons. Quand vous allez appuyer votre téléphone pour me parler là, ça va bloguer. Si tu fais la vente en ligne, tu vas mettre dans le tiroir de ta. Tu fais bien, tu postes bien dans une pièce avec un téléphone. J'ai dit de mettre dans son sac à main, non. Donc toi qui vas en ligne, tu as un peu ça quand même. Je vais quand même penser quand même et réfléchissez. Ne soyez pas des bêtes, bêtes, bêtes. Les bêtetons. Simpletons, bêtetons, tout mélangé sur toi. J'ai dit, mettez dans le sac à main ou mettez dans le tiroir du business. Comme tu as pas le tiroir pour ton business, tu mets où? Quand on te paie en ligne, tu mets dans quoi? Comme ça, vous faites, vous êtes tellement. Les gens passent le temps, vous. Même physiquement, on vient, on t'exploite. Bah, tu ne peux pas réfléchir. Rien ne m'énerve comme quelqu'un qui est bête. Tu es simple, tu es bête, tu mélanges tout ça dessus. On parle, tu ne comprends pas. On dit, tu ne fais pas. Hier, pendant le Zoom, Laetitia Singh, ne venez pas me poser des questions sur idiote. Si tu vends pour quelqu'un, est-ce que c'est possible de faire? Ne fais pas, tu as compris? Ah ouais, tu bites, quoi ça me dit? Yay. Tout le monde fait de la revente. Tu achètes, tu as un gros site, tu mets dans ton magasin, tu vends. N'avoue, c'est quoi cette folie-là? Tu pars chez le gros site, tu commandes, tu peux au brasserie, tu commandes la boisson, tu mets dans ta vente, tu vends. Tu es en train de faire de la revente. Tu vends pour les brasseries. Jesus. Quand une femme est bête, c'est pas beau, hein. Quand une femme est bête, elle est laide. Je vous dis. Oh, you know good. Quand une femme est bête, elle est laide. Oh. Comme ça, quand vous voyez, vous avez les gros sacs à main. On te voit, tu es costaud comme ça. Dès que tu ouvres la bouche, on dit, ouais, yo. Oh là là. Voilà le premier. Pour payer la dîme, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Laetitia, je vais te bloquer de ma page, tu as compris? Tu es à 70% bloqué. Moi, je bloque pas les gens de ma page. Je t'enlève les gens.
Ne venez pas inbox, me dit, oh, tu m'as bloqué, tu viens sur WhatsApp, tu m'as bloqué. Je ne connais pas comment débloquer quelqu'un sur WhatsApp. Ou c'est sur Facebook. Donc si tu enlèves là, tu es parti. Voilà. Pas venir me poser des questions bêtes comme ça. J'ai ouvert le groupe WhatsApp là que vous postez dedans. Hier, je fais la vidéo, je dis bien, ne commentez ici que pour donner vos témoignages. Hop. J'ouvre pour que les gens puissent poster dans le groupe. Hop, le kataka. Hop, ta. Oh, j'ai mal ici. Oh, priez pour ceci. Je vous ai donné le numéro de prière. Si vous avez besoin de prière, écrivez à tel numéro. Apprenez à suivre les instructions. Le monde spirituel est ordonné. Hein? Le monde spirituel est ordonné et discipliné. Vous n'aimez pas suivre les instructions. C'est comme ça que les gens qui vous bloquent suivent une instruction. Ils viennent vous bloquer. Je dis, mais c'est la bêtise ou quoi? Grève utiliser le téléphone. Grève utiliser. Si tu n'es pas intelligente, tu ne vas pas accumuler l'argent. Tu dois arrêter d'être bête. Même une femme qui n'est pas là à l'école, qui fait son petit commerce, il y a une femme là qui me paie tous les jours, tous les 2 jours, elle me paie la dîme de 10 000. Par mois, elle peut me payer la dîme de 200 000. Pardon. Dîme, 10 000 actions de grâce, 8 000. Dîme, 12 000 actions de grâce, 5 000. Dîme, 13 000, 18 000. Elle vend quoi? Elle vend la peau du bœuf. Elle vend le nkanda. Elle vend le nkanda. Donc, comme tu penses que parce que tu n'es pas là à l'école, c'est une raison pour ne pas avoir d'argent et d'être bête. Faut arrêter. Je suis ménagère. Je suis. On a dit que comme on est ménagère, on va rester pauvre et bête. Dis-moi, Dieu, vous êtes bête, ne me suivez pas. Quittez sur ma page. Dieu peut travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui veut apprendre et faire. Il t'enseigne les lois. Tu commences à faire, tu augmentes ton argent, se restaure. C'est la même dame qui m'a écrit, ça fait peut-être en mai. Elle me dit, je te connais depuis février. J'ai acheté mon terrain. Février, mars, avril, troisième mois, mai, elle a acheté le terrain. Malachie 3 pour payer la dîme. Je vais lire à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Dieu fonctionne avec les instructions. Dieu te donne les instructions. Tu veux faire, tu fais. Tu ne veux pas faire, tu vas périr. Ma reine, ma vie ne marche pas. Tu as fait ce qu'on te dit. Je n'ai pas encore fait. Te voilà. Vous avez rejeté les instructions. Vous ne les avez point observées. Malachie 3, verset 7. Mettez mes cœurs, je parle bien, même si ça vous fouette. Je sais que je parle bien. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est toi qui viens d'abord, tu commences à faire. Tu commences à faire. C'est là que tu vois, moi, tes choses commencent à avancer aussi. Et vous dites, En quoi devons-nous revenir, Seigneur? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. On peut pas tromper Dieu. Hein? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière.
apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La maison de Dieu, l'église où on parle, où on prêche la parole de Dieu, ne doit pas manquer. Sinon, je prêche, après je me lève le matin et vois l'argent sur mon oreiller. Parce que Dieu connaît quelqu'un qui avait parlé. Ce sont les gens à qui le message a été donné. Qui doivent retourner dans sa maison. Quand la parole sort, ça te guérit. La maison, tu sais que tu as trouvé ta guérison. Prends ton offrande, tu apportes là-bas. Il dit, vous vous trompez vous-même. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Il dit d'abord que quand tu ne payais pas ta dîme, ni tes offrandes, tu étais maudit. C'est pour ça qu'on a facilement accès à vous. Il y a des personnes ici là que vous êtes immaudissables. Il y a cela 3 jours qu'on a commencé le jeûne. Il y a une dame que ça fait 2 mois qu'elle a commencé à suivre ce que je fais. Elle fait beaucoup de sacrifices au village. La dîme, elle paye. Et en payant la dîme, c'est le genre qu'elle paye et pleure même. Avant-hier, on lance le jeûne. Elle rejoint le jeûne. Et 15 hommes m'écrit en pleurant seulement. Elle dit que je suis émue. J'ai eu une réduction de 7 700 000, c'est-à-dire 10 000 par an, sur la pension de mon enfant. Peut-être 1100 ou 1250 euros. Pardon, 12 000 euros. Si 1 euro, c'est 1,2 pounds. Si 1,2 pounds, non. 1 pound, c'est 1,2 euros. En tout cas, on a réduit 10 000 pounds, pardon. 10 000, pas 1000. Donc, 7 700 000. Elle voulait inscrire son enfant dans une école anglaise dont la pension était 35 000 pounds. Premièrement, on a admis son enfant dans l'école. Un enfant, l'année passée, l'a composé. Tellement attaqué là où il était qu'il a remis la feuille blanche. Il part dans la salle des amis, il dit qu'il ne voit rien. Jusqu'il a échoué le BEPC comme ça. Depuis mai, elle faisait qu'il m'a prié pour mon enfant. Qu'il repart dans une bonne école. Qu'il revienne sur les rails. Donc il y a eu là l'admission. Deuxième chose, on a dit qu'on a enlevé 10 000 pounds sur la pension de l'enfant. La malédiction est. Tu restes dans ça, rien ne marche. Tes frigos se gâteau. Vois-tu ce gâteau? Tu pas pour arranger, on t'escroque. On n'arrange pas. C'est comme ça que vous perdez l'argent. Hein? Comme quand on parle, vous dites que vous maîtrisez. 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 Où? Vous allez voir. Où? Moi, je continue. Il dit, si je ne répands, Malachie 3, verset 10, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand on parle d'un dévoreur, ça veut dire qu'il vient dans ta maison, il entre dans ton frigo sans te demander. Il vient dans ta maison, il entre, il prend tes choses sans te demander. Il no go ask. Il dévore. Il mange. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Il y en a parmi vous, hein. Vous avez fait les business tellement de fois. Tu ne sais pas, quelque chose ne va pas. Voilà les produits que tu as achetés dans ton magasin depuis 6 mois. Personne n'achète. Personne n'achète. Tu es dépassé. Ça veut dire que ta vigne n'est pas féconde. Elle est stérile. C'est une malédiction. En payant ta dîme, tu écris, Seigneur, je viens apporter à la maison du trésor. Tu pries sur la dîme là. J'apporte à la maison du trésor ma dîme. Seigneur, ouvre-moi les écluses des cieux. Répands sur moi la bénédiction en abondance. Je viens chasser tout mauvais esprit de ma maison, de mon corps, du corps de mes enfants. Je restaure mon mariage avec monsieur Fotso Patrick. Votre père, prononcez le nom de votre mari. Je déclare la fin de toute possession maléfique dans ma vie, dans la vie de mes enfants.
Je viens déclarer sur vous, en ce premier du septième mois, je déclare l'accomplissement de vos désirs au nom puissant de Jésus. Je déclare, comme nous sommes en train de clôturer ce jeûne, qu'aucune âme façonnée contre vous ne peut résister dans votre vie. Je déclare que vous avez le contrôle. Je déclare que votre bénédiction ne sera jamais arrachée. On a beaucoup intercédé dans le groupe de prière en privé. Hier, j'ai enseigné. Je déclare que tout ce que vous avez reçu pendant cette période, comme prophétie, comme don, ne sera jamais volé au nom de Jésus. Je déclare que vous accomplirez votre mission de vie. Je déclare qu'aucune âme qui avait été forgée contre vous ne peut prospérer dans votre vie. Je viens vous ouvrir les portes. Je viens vous libérer de la présence de tout ennemi dans votre famille. Pour les hommes qui intercèdent pour leur famille, je vous fortifie, je vous restaure au nom de Jésus. Je déclare que vous n'allez pas gâcher votre bénédiction. S'il y avait un démon en vous qui faisait que vous-même vous gâtez vos choses, je déclare que vous apprenez à vous comporter. Pour certains d'entre vous, je restaure votre beauté. Tout voile mystique qu'on a lancé sur vous, je viens détruire ces voiles. J'avais demandé au premier jour de faire le gommage avec l'huile d'olive et le sel. J'espère que vous avez fait ça sur vous. Je restaure votre gloire. Je restaure votre gloire. Je dégonfle votre corps. Ceux qui voulaient maigrir, je déclare, à partir d'aujourd'hui, vous commencez votre régime pour maigrir au nom de Jésus. Je restaure votre argent. Bonjour la reine Élise. Ceux qui avaient été, on a mis le voile pour vous cacher qu'on ne vous voyait pas. Vos clients vous oublient chaque fois. Pour les reines qui ont les dons spirituels ici, là. Je déclare que ce mois de juin, vous asseyez sur votre chaise. Si on vous a déjà mis sur votre chaise, je viens ouvrir votre ministère. Je restaure vos pouvoirs au nom de Jésus. Je crois que dans quelques minutes, on pourra boire de l'eau. Oui, mes lèvres sont très sèches. Ceux qui ont tenu dans le jeûne, merci la reine Gloria. Ceux qui ont jeûné, je déclare que tout ce que vous avez demandé pendant ce jeûne de 3 jours, vous est accordé au nom de Jésus. Tout oiseau maléfique qu'il y avait dans votre cour, qu'on avait envoyé pour venir vous observer, pour venir vous envoyer des flèches, je déclare leur mort. Vous les trouvez devant vos maisons aujourd'hui au nom puissant de Jésus, mort. Tout vol mystique de nuit qu'on fait dans votre maison, on vous dérange. Je viens fermer, je barricade votre corps, votre maison. Je déclare qu'ils n'ont plus accès au nom de Jésus. Je vous bénis. J'ai terminé. Super Épiphanie, je déclare que je vais arriver jusqu'à la fin de ton jeûne.
Amen, amen. Amen. Toute douleur que vous avez à l'épaule droite est enlevée, détruite au nom de Jésus. Nous bénissons et nous restaurons la santé de ton père, Laetitia Singh, au nom de Jésus. Élise, je déclare que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Je déclare la restauration de ton nez sciatique. Au nom de Jésus. Amen. Je viens bénir toutes les dîmes qui ont été payées depuis quelques jours. Je bénis vos dîmes au nom de Jésus. Marie, j'ai un problème. J'ai rêvé que toute la nuit on est venu me coucher. Est-ce que voilà un problème de quelqu'un qui vient d'écrire? Est-ce que tu te laves au sel? Commence par te laver avec du sel, c'est très important. Oui, la dîme, c'est 10% de ton revenu.
10% de ton salaire ou de ton revenu, ça va là où tu es nourri spirituellement. Tu vas dans une église et que c'est là-bas qu'on te nourrit spirituellement. Si c'est moi qui te nourris spirituellement, tu paies chez moi. Si c'est une autre personne, tu paies chez la personne. Tu retournes cet argent pour honorer la couverture spirituelle que tu reçois. Il y en a qui me suivent, vous avez des pères spirituels. Maintenant, si tu viens parler chez moi, tu vas donner à ton père spirituel. Tu vas donner par là-bas. C'est Dieu qui voit, c'est pas moi. Le don n'est pas la dîme. Don no bidim. Donc tu vas aller à l'Ofina, tu parles à l'Ofina, fais ton don. Pas calmement à l'Ofina, fais ton don. Tu besoin, tu as 50 000 francs de salaire, ta dîme c'est 5 000 francs. Tu fais ton business, tu obtiens 100 000 francs de bénéfices. Tu achètes à 100 000, tu revends à 250 000. Ton bénéfice c'est 150 000. Quand tu as payé toutes tes factures, c'était 100 000. Voilà, maintenant c'est que tu retires 10 000 sur là-dessus, ça, tu payes ta dîme. Flo Maboud. La page, si je n'aide pas les gens. Hein. Et t'enseignes comment sortir de ton trou, Flo. Tu as compris? Que pardon, aidez-moi. Pardon, pardon. Je fais pas ça ici. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Oh, Yohan. Écoute mes vidéos. Commence à prendre 3 pincées de sel, tu mets dans l'eau. Ou même une cuillère à café de sel, tu mets dans l'eau. Tu te laves avec. Certains d'entre vous demandez le visa comme ça. Là. Il y a beaucoup de travail spirituel que vous devez faire. C'est que vous aimez seulement la prière. Oh, priez pour moi, c'est fini. Priez pour moi. Il faut demander est-ce qu'il y a autre chose qu'il doit faire. Certains d'entre vous, vous devez ajouter à ça. Allez là, à l'offrande, faites les dons. Allez, faites les dons, ça va vous ouvrir le truc. Les portes. Vous pouvez prendre 5 millions pour te donner pour le visa, pour le réseau. Même pas, tu prends 5 000 pour aller faire un don dans l'offrande, tu ne fais pas. C'est pour ça que tu es bloqué, ma chérie. Bon, je vous bénis. Oh, j'ai cherché ma nourriture pour manger aussi. Il est 6 h. On a cassé le jeûne à 6 h. Pour ceux qui ont commencé à 6 h avec moi, il y en a qui ont commencé plus tard. Il y en a, c'est votre deuxième jour aujourd'hui. Persévérez jusque demain. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle. Gloria, comment tu peux dire que tu as perdu une partie de ton kit? T'es parti où? Continue avec ce que tu as, non. Après, tu vas chercher encore. Tu achètes encore l'autre quand ça finit. Vous croyez que l'ennemi ne combat pas mes produits? Il y en a que vous commandez les produits comme ça. L'ennemi fait tout pour que tu ne reçoives pas. Je vais ouvrir vos portes. Je mets sur vous la sagesse. Que vous soyez conscient. J'enlève toute bêtise de votre esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, grâce de Dieu. Merci pour le partage. Quand ton sac disparaît comme ça, là, tu ne connais même pas que tu as beaucoup d'adversité. Parfois, vous restez, vous croyez que vous êtes une petite personne. Ah, moi, je suis une petite femme, non. Je vis seulement au Maryland. Et qui me veut du mal? Tu crois que j'ai une petite femme? Ils savent que tu es puissante. Que c'est quand tu te lèves, tu pries pour ta famille. Ils sont tous délivrés. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te délivres toi-même.
Donc, apprenez à être persistant. Une dame qui m'a contacté, ça fait au moins 3 mois. L'esprit de rejet sur elle était grave. Tellement. Tellement l'esprit de rejet. Moi-même, je l'ai rejeté parce que ça n'allait pas. Et elle faisait des trucs pour m'énerver toujours. Elle va chez une de mes représentantes, elle l'énerve. Elle va chez l'autre, elle l'énerve. Je lui dis que pardon, que si la femme l'appelle, pardon, me dérangez, je ne veux même plus entendre parler d'elle. Elle a persisté sur une représentante, là, elle est restée. Chaque mois, elle fait 3 lavages au moins pour son enfant. Elle dit que. Elle a fait les lavages. Sa fille était très têtue. Une fille de peut-être 19 ans. Belle. J'ai un enfant qui veut un peu étudier là. On a même fait le sacrifice pour son enfant. Après, elle dit que ça va. Que l'enfant commence à être. Qu'elle parle, avant, sa fille ne voulait même pas l'entendre. Sa fille ne voulait même pas la sentir. Elle me dit que voilà. Ma fille commence à me parler maintenant. Elle a accepté de se laver avec le sel. Elle dit que toi-même là, tu as la persistance. En tout cas, quand tu arrives, tu te comprends que peut-être Dieu t'a envoyé, t'a dit que tu t'as pas, que c'est à travers moi que tu vas avoir ta bénédiction. Accroche-toi. Ne me laisse pas partir. C'est ce que tu as vu là que tu vas obtenir. Bonjour, Félix. Bon. Bye bye, bonne journée à vous. Je vous bénis. J'enlève la paresse sur vous. Vous n'aurez pas la paresse de faire vos bains. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été perdu est restauré. Amen.